Nous sommes dans mon ombrière de 1500 pots de poivre. Ça a été mis en mai 2020. Aujourd'hui, nous sommes en février 2021. Donc, ça sera prêt à te planter en mars, dans disons 10 mois de suite. C'était très simple pour réaliser ça. On a mis les pots, on a mis la terre dans les pots et j'ai mélangé la terre avec les graviers. Pourquoi j'ai mis les graviers? Pour que la terre ne soit pas collante et que l'eau puisse, pour que le pot puisse être perméable, ça peut laisser passer de l'eau. Comme ça là, les pots vont vite grandir. Comme vous voyez actuellement, nous mettons deux boutures par pot, ce qui fait que si une bouture meurt, l'autre grandit. Bon, nous sommes déjà à presque une, deux, trois, quatre, 9 feuilles. Nous sommes à 9 feuilles. Et avec cette taille-là, c'est bien pour planter. Quand vous le mettez dans un tuteur et quand vous savez comment bien manager, comment bien mettre des engrais, d'ici 2 ans, ça commence à produire. Et à la troisième, quatrième année, nous avons déjà les pots de poivre qui donnent 4 kilos secs par pied. Donc les 1500 pieds de poivre à raison de 4 kilos. Nous revenons à 6 tonnes de poivre. Ça, c'est une superficie de demi-hectare, un quart. Très simple. Il faut juste savoir comment utiliser les engrais et les engrais foliaires, les nématicides, les nématodes pour éviter que la plante ne soit surchargée avec les détracteurs du sol. Bon. Il faut très faire attention. Il faut beaucoup faire attention avec les conseils que vous recevez en ligne ou sur internet. Avant de vous lancer, formez-vous un maximum pour éviter d'être surpris à la dernière minute. Nous pouvons donner déjà 3 kilos à 4 kilos secs par pot, par pied, dans une superficie de demi-hectare, un quart. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos et conseils pratiques sur les cultures comme le poivre, la papaye solo, la banane plantain, le macabo et bien d'autres maraîchères. L'agriculture est une passion et nous le montre très bien.